مرحبا بكم في قناة سفاكس للمعلومات. اشترك في القناة ليصلكم كل جديد. ولكي تدعمونا للاستمرار. Le président du mouvement Gulbina, Abdelkader Bangrina, a déclaré à CETIV que l'ancien premier ministre Amedouaya obligeait l'entreprise de transport urbain Etusa à louer les bus de Takou à 17 000 dinars la journée. Le président du mouvement Gulbina et ancien ministre du tourisme s'est exprimé sur la gestion des affaires dans le pays. Il a affirmé qu'Amedouaya a imposé à l'entreprise publique Etusa de louer les bus privés de l'homme d'affaires Takou. Il explique que sous prétexte que l'entretien des bus coûte cher, il fallait faire appel à la location. Abdelkader Bangrina ajoute que les bus loués à 17 000 dinars la journée rapportaient 5 000 dinars, ce qui a fait que l'Etusa soit déficitaire. Il accuse Ouyaya d'avoir cassé les entreprises publiques et encouragé un secteur privé réservé à une poignée de personnes, toutes proches du cercle des décideurs. Le président Gulbina a qualifié les décideurs de colonisateurs qui ont pris le peuple pour des débiles en ayant choisi d'enrichir une certaine caste au détriment du trésor public.